pays qui t'est trouvé dans une situation difficile pour t'es sorti là-dedans, yo t'es juste posé trois questions. Et nous même haïtiens, qui question nous devons poser? 1. Qui côté nous t'es? 2. Qui côté nous y est? 3. Et qui côté nous voulons aller? Jeunesse levé campé. Ouais, c'est Wesley Joseph qui entre la caillou encore. Cette fois-ci, nous allons parler sous question des bois caïmans. Vu que nous entre 14 15 d'août. Nous pouvons regarder qui importance li gagne dans moment na vivre là et qui rôle li t'est joué dans moment côté le TIA entre 1791 qui pral abouti avec ça n'a 1804 qui c'est l'indépendance d'Haïti. Sous ta remettant de ça avec, restez branché et puis n'a tourner rapide. Merci. Jeunesse levé campé. Jeune d'Abdia, l'en garder bois caïman, nous seulement plonger vers les années 1492. Qui c'est une référence qui est très marquant, qui est très stratégique et à la fois un drame qui marquait un ensemble de monde qui vivent sous terre. Il y a une bagaille nous pendant 1492, il y a deux grands événements. Premier, c'est la chute de Grenade, qui sont espaces qui étaient très stratégiques pour l'Empire turc-ottoman durant 1492 et qui débaille, prend le cas des turcs-ottomans, il y a un grand espace et à la fois une domination sur toute l'Europe en général. Et qui pourra dominer la péninsule ibérique, mais avec, là, on prend les cas, l'expansion de l'Église catholique, et principalement avec l'Espagne comme puissance mondiale de l'époque, on pourra gagner, ça n'a pris l'unification et l'homogénéisation de la puissance d'abord de l'Espagne, et principalement des Espagnols, qui pourra commencer par pousser les musulmans et les juifs aux côtés de la péninsule ibérique. Mais bon, deuxième élément qui est très important, qui parle autre que la conquête. Parfois, il y a un ensemble de historiens qui mal intentionnés, qui n'ont pas gagné une notion en termes d'histoire, qui pourraient essayer de baptiser question de l'entrée en vigueur avec violence de l'Occident comme étant la découverte. Mais pourtant, il y a un ensemble de monde qui vivent en Amérique, qui étaient atteints d'une épogée en termes de civilisation. On prend le cas de civilisation de Tarutung Sunyo. Qui pourraient avoir une grande civilisation à l'époque, qui soit la civilisation des Aztèques, Mayas, etc. Mais l'entrée de l'Occident donc, en Amérique, qui, entre parenthèses, du point de vue de la géopolitique considérée comme Orient, pourrait considérer comme un drame tragique pour les natifs d'Amérique latine. Et ça fait qu'on question des dépeuplements, qui pourrait être très à la mode, on pourrait gagner tout question des génocides, ou épistémicide. Épistémicide, entre parenthèses, est considéré comme la destruction globale des connaissances des natifs en Amérique latine. Ou prenez le cas les Arawaks, les Taïnos en Haïti, ils n'ont pas épargné. Ils n'ont pas souffri, ils ont ensemble de gravité par rapport avec l'implantation de la puissance occidentale à l'époque et qui pourraient utiliser trois grands instruments pour capable voiler, masquer la réalité géopolitique de l'époque, qui parle autre que la Bible, la foi, la croix, qui pourra le servir comme des instruments de l'Occident pour masquer l'intérêt et économique qui parle autre que ressources naturelles, qui étaient très importantes, ou gagner l'or, diamant, parce que son terre qui était riche, par rapport avec l'Europe qui était dévastée par la guerre de 100 ans, la peste dévastée l'Europe, ou rappeler autour la famine qui dévastait un tiers de la population européenne. Donc tout ça fait que l'Europe n'a pas de capacité économique pour le parler de la civilisation à l'époque. Là, tomber sous un espace qui c'est Amérique latine, qui était très avancé en termes de civilisation, en termes de richesse, ça pourra permettre l'alimentation de l'Europe comme une puissance mondiale du point de vue économique et à la fois politique. Et ça, j'aime te dire là, il y a un ensemble de conséquences qui fait. Conséquences sous indigènes comme sujet, et ça fait d'ici plusieurs années, ou pas besoin en Haïti, même on graine indigène qui était. Donc tout pourra le dépeupler, tout pourra le génocider par rapport avec le drame de l'Occident. Mais l'arrivée avec l'incapacité pour générer ou engendrer force de travail en Amérique latine, l'Occident pourra le recours avec l'autre processus. C'est courir directement en Afrique pour qu'elle kidnapper les femmes africaines, les hommes africains pour capable esclaviser. Et en pile là-dedans, nous connaissons l'Afrique qui est une grande et ancienne civilisation kémite qui pourrait censée donc subir un processus génocidaire et à la fois épistémicide en quelque sorte
qui pourra commencer par déraciner donc l'homme, la femme africaine pour capable venir donc en Amérique. Et ça, au lieu que nous entrer dans la même dynamique qui est ensemble des folles histoires, d'épopées, qui pourra dire c'est Africain qui vend, là prend les cas des Africains ou Africains. Donc ça, du point de vue historique, il n'a pas fait sens. Parce qu'on ensemble des Africains qui étaient dans une situation qui était très heureux en termes de capacités économiques et à la fois politiques, pas de guérison, donc ils ont vendu ni femmes, ni hommes, donc Africains. Et ça fait qu'on voit ensemble de grands historiens, tant que chez Kanta Diop, on prend les cas des Obenga, on prend les cas de Gomez Corvi, qui se soit en Haïti, on prend les cas de dame, auteur, qui est très élé, Baïna Bello, pour démanteler la thèse que c'est à partir des femmes ou hommes africains qui vendent, là, prend les cas de questions ou qui vendent, donc noirs, pendant l'esclavage. Et nous pensons, si vous êtes très connectés avec nous, nous allons essayer de regarder un film ou bien une semi-série qui tentait retourner ou bien qui tentait, ou à qui mesure capable repenser ou bien reconstituer question de la traite négrière et comment situation esclavage TI. On nous suit rapidement une série qui sous-titrée Racine ou bien en anglais qui c'est Route. On nous suit ensemble et on a tourné rapide. Sir, they stink something fierce. Je me dis, ouais, comment l'y essayer reconstituer scène qui est très tragique en quelque sorte et qui montrait comment Frénon, Sénon, t'as vécu une situation qui était très difficile à l'époque. Mais ça qui est important, c'est parce qu'ils ont kidnappé yo et ils ont entré dans un espace qui est inconnu, qui c'est Amérique latine, Amérique du Sud, ou bien Nouveau Monde, qui était une expression qui était très connue à l'époque. Mais si on t'arrêtait seulement pour Haïti, il y a tout un processus à l'époque qui était utilisé pour voir comment on est capable de maintenir l'homme, la femme africaine en captivité politique. Pour qui ça? Parce que tout simplement, c'est un ensemble de monde qui était libre, qui était une capacité intellectuelle qui était très avancée à l'époque et qui était vraiment submergé dans une civilisation matrilinéaire. Ça veut dire, c'est la femme qui est considérée comme le centre de la civilisation kémite. Et ça fait au Braloué, en Haïti, nous avons dit, donc femme, c'est potomitan. À l'époque, où il y a un ensemble de procédés, c'est vrai où il y a tout un mécanisme en termes de capacité qui est très fragile, qui est très rapide en termes de force pour assujettir l'homme, la femme colonisée africaine, mais ou bien tout, processus idéologique qui pourrait lier avec le code noir qui était très appliqué à l'époque, et le code noir qui a un ensemble d'articles là-dedans qui pourrait censé permettre avec Colon pour lui cosifier, déshumaniser l'homme noir et la femme noire. Ça veut dire, et ça fait au rapidement, donc dans l'article 44, donc ni femme ni garçon noir, ils ne sont pas considérés comme un être humain. Mais absolument considéré comme un bien meuble. Et c'est ça qui pourra le considérer comme un problème au niveau peut-être de la conception occidentale pour être capable de déterminer l'autre en dépit de sa différence comme un être humain en quelque sorte. Mais où il y a tout esclave par nature qui existait depuis avec Sepulveda. Il était appliqué lui contre l'opprimé des cas indigènes et qui pourra censer remise en question par rapport avec l'homme noir et la femme noire. Il y a une technique qui est l'on parlait d'esclaves par nature. C'est un concept qui est très vieil.
parce que li découlé depuis la vision aristotélique qui c'est un auteur grec qui là dans 4e siècle avant Jésus-Christ et dans la politique qui sont œuvres qui très connues, il pourrait montrer que esclave là, il considéré comme un bien ou bien considéré comme une partie de son maître ou bien considéré comme un corps et maître li, il considéré comme un âme. Dans cas ça, on possédé qui pourrait censé à adapté par rapport avec le contexte géopolitique de l'esclavage à l'époque qui parle très utile pour l'Occident. Sans coûter question de malédiction qui c'est un véritable d'immondisme en termes de dualisme occidental entre bien et mauvais, juste et injuste, Dieu et Satan qui parle servir d'abord l'Occident comme instrument géopolitique de l'époque pour capable maintenir l'homme, la femme donc noire en esclavage. Mais en dehors de tout procédé qui gagne à l'époque, différemment de Jodia, nous gagnons grand-papa nous, grand-mère nous, ils ont subi un type d'esclavage qui est totalement physique. L'esclavage pas jamais arrivé à une capacité pour infiltrer l'esprit on est en cours François Macandal, l'esprit on est en cours Dessalines, Cécile Fatima, que ce soit Sanité Belair. Donc c'est un ensemble de femmes ou garçons qui comprend le processus occident et utilisé, il n'y a pas de rapport ni avec Dieu, ni avec la science qui pourrait permettre la création ou bien la production de la connaissance occidentale durant l'illuminisme, mais seulement, donc, tu as un rapport avec ça, l'accumulation du capital. Donc, si l'Occident vient ici en Amérique pour les dépeupler, là, pour les cas, les indigènes, femmes ou garçons, c'est parce que tout simplement, l'Occident a soif par rapport avec la fin de médiéval qui a ravagé donc la politique européenne, qui a ravagé donc l'économie européenne. Donc, dans le cas de ça, pas de moyens pour gagner la survie de l'Europe sans que n'y pas recours avec l'autre continent. C'est le contexte ça. L'on prend le cas de l'entrée de l'Occident, il prend constitué dans l'histoire comme première phase au niveau de l'accumulation du capital. Et c'est ça, Max Pralélé, donc la phase primitive. Et la phase primitive du capital, du point de vue peut-être de la conception économique, l'IPRA est censé considérer comme fondement du capitalisme. Et ça fait, sous garder question de 1492, par rapport avec le contexte historique au niveau des dépeuplements, qui, entre parenthèses, le génocide, épistémicisme, pas de moyens pour parler de capitalisme, sans qu'on va parler d'esclavage. Parce que l'esclavage considéré comme le fondement ou bien l'essor au niveau du décollage de l'Occident dans sa phase capitaliste en termes d'organisation économique. Dans le contexte, je pense que c'est important pour nous faire un rappel en termes de reconstituer Bois Caïman pour montrer que toute une résistance qui fait depuis avec François Macandal. Et ça, il faut gagner des concepts qui existaient à l'époque, que ce soit des marronnages, qui étaient très très utiles en termes de procédés pour résister par rapport avec l'enfer ou bien camp de concentration de l'impérialisme occidental à l'époque. Deuxième procédé, où il y a une question des infanticides, il y a un ensemble de femmes noires à l'époque, pour capable éviter, petit, il y a pas passé dans l'institutionnalisation ou bien l'impérialisation infernale ou camp de concentration hitlériste à l'époque. Peut-être, là, on prend les cas à question de l'esclavage, il précédait le drame Hitler qui pourra le censé appliquer sur la population donc, juive qui pourra le censé donc, éliminer donc, 6 millions de juifs à l'époque. Je dis, là, nous parlons des questions de l'esclavage, il prend au jeu, il tout simplement donc, son espace qui pourra le constituer en termes de une vision occidentale qui est comme prétention pour le montrer, si toutefois l'autre est esclavisé, c'est parce qu'elle est naturelle, c'est parce qu'elle est immonde, c'est parce qu'elle dépend de la volonté de Dieu. Mais pourtant, du point de vue de la cosmovision, la vision cosmique non occidentale qui est africaine, c'est anormal, c'est impossible pour qu'on le peuple ait capacité pour les dominer donc on le peuple. Dans le contexte là, on parle de toute une résistance, je viens de dire là, on parle de marronnage, on parle d'infanticide, on parle de donc empoisonnement de l'eau, donc qui parle le fait à partir de nectar ou François Macandal, qui parle censé continuer à partir de Boukman Douti et d'autres esclaves, qui parle loin dans qui mesure capable de résister par rapport avec l'impérialisme de l'homme blanc, judéo-chrétien,
capitaliste, macho ou machiste, en quelque sorte, parce que tout simplement, c'est une grande civilisation qui surmontait contre la femme, que ce soit la femme blanche ou bien la femme noire à l'époque. Et ça a été considéré comme un mécontentement par rapport avec la civilisation donc, africaine qui prend le sens commencer par discuter de l'autre projet politique et à la fois économique durant le congrès du Bois Caïman. Jeunesse levée campée. Oui. Même si on parlait question de l'illuminisme, qui c'est un courant philosophique, culturel et à la fois économique qui est très connu durant le 17e jusqu'à 18e siècle, qui gagne une grande transformation qu'il fait en Europe, mais pas trop d'avantages, l'hypothèse, pour l'autre pays qui existait à l'époque, ou bien l'autre colonie. Il est seulement considéré comme la renaissance pour l'homme blanc occidental, mais pour l'homme noir, il est considéré à l'époque comme un enfer en termes de conception donc philosophique et à la fois politique. Et ça fait qu'on voit l'illuminisme comme courant scientifique, il est considéré comme fondement pour la civilisation donc occidentale, principalement là, prend les cas la Révolution française 1789, qui est considérée comme une révolution qui est très politique, différemment de la Révolution industrielle aux côtés de l'Angleterre vers les années 1750, et etc., qui pourrait le considérer comme une révolution qui est purement donc, économique. Mais ce qui est important, c'est chaque fois parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prend le sens considéré comme un fondement au niveau de la Révolution française 1789. Et pas oublier, je pense qu'il faut nous rappeler comment la Révolution française 1789 prend censé influencer ou bien peut-être dogmatiser toute l'Europe, près ou entrer donc à la fin du médiéval à l'époque, qui pourrait censé considérer comme une formule ou bien un patron en termes de vie, et qui pourrait proposer ou imposer trois grands éléments fondamentaux à l'époque. Qui c'est liberté, égalité et fraternité. Mais liberté, égalité, fraternité, c'est pour l'homme là à l'époque. Qui toujours est l'Africain, la femme africaine comme une esclave. En termes de conception, vision, monde occidental, il n'y a pas jamais côté un changement en quelque sorte. Et ça fait qu'on va voir même au niveau de l'Occident, on va voir une femme qui va protester question de la déclaration des droits de l'homme. Parce que tout simplement, lui projeter l'homme et non humain comme centre en termes d'organisation intellectuelle et à la fois politique. Et non la femme comme équilibre. Et c'est ça qu'on va louer, Guillaume qui relait Marie Gouze. Vous pensez, en pile, nous rappeler. Ou bien qui est très connu sous le nom de Olympe de Gouges. Qui pourrait protester la déclaration des droits de l'homme. Parce que tout simplement, lui pas inclus. La femme blanche européenne. Et dans le cas de ça, il pourrait écrire un manifeste qui est très prompt en termes de critique sous le nom de Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Peut-être ça, donc l'Europe pourrait guillotiner, principalement la France. Ça, je le dis directement, c'est une société qui est très patriarcalisée, une société qui est très machitisée en quelque sorte. Dans la mesure où on prend les cas des femmes pas gagnées trop droits pour participer, qu'ils soient à travers le militarisme. Et ça fait, on prend les cas de l'école militaire, n'est pas trop encadrée, donc la femme blanche occidentale. Même au niveau tout des mariages, qui sont concepts qui sont très, donc, très importants au niveau de la famille. Donc, femme prend le sens, même un nom qui est très générique et un nom qui est très dominé. Parce qu'il parle de gagner, ça n'a pas comme le nom qui c'est dame. Et dame qui est venue directement à partir du nom qui c'est Dama, alors que donc le monsieur pourrait le considérer comme monseigneur qui c'est Dominus. Ou bien toute une vision patriarcale occidentale, même au niveau de la révolution en Europe, principalement la révolution française, lui pourrait le considérer comme toujours un ensemble de réformes du point de vue politique et à la fois économique. En nous regardant la vidéo ça rapide et n'abtourner pour nous voir comment l'Europe du point de vue de la Révolution, ou bien la France du point de vue de la Révolution, n'a pas apporté trop de changements pour la colonie en quelque sorte. En 1789, la Révolution française éclate. L'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce texte ne s'applique pas aux colonies où la législation de l'ancien régime perdure. Les hommes naissent donc libres et égaux en droit, mais seulement en métropole. À Saint-Domingue,
les colons refusent toute réforme et règnent par la terreur. Plusieurs centaines d'esclaves se rassemblent à Bois Caïman et décident de conquérir leur liberté par les armes. C'est ici, à Bois Caïman, donc sur la plage de Malomézi, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Bois Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, la nuit du 23-24 août. Et au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Bookman pour décider de leur sort. L'arrivée dans Bois Caïman, c'est une autre vision. Yon lot cosmovision, yon lot vision monde, ou bien yon lot champ épistémologique. Ça veut dire, l'homme africain, la femme africaine, yon ouais le monde à partir d'une autre conception, donc la politique et la foi économique. Et ça fait, durant Bois Caïman, ou pas gagner, c'est yon congrès selon yon auteur, qui est très connu, qui c'est Baïna Bello, qui pourrait le montrer ça, c'est un congrès politique. Parce que le concept en cérémonie, donc il était très appliqué. Nous n'avons pas besoin d'entrer 1400, nous n'avons pas besoin d'étendre 1791 pour nous faire une cérémonie. Et il n'est pas possible tout pour une cérémonie d'apprendre 1791 pour qu'elle t'arrive donc avec réussite. Donc ça veut dire que nous, habitués à danser, nous, habitués donc chanter, pour nous faire plaisir avec soit la tradition donc africaine, la tradition donc spirituelle. Mais quand il s'agit des congrès du Bois Caïman, c'était une réunion stratégique, c'était à la fois politique et géopolitique. Dans la mesure où il y a un ensemble de techniques, de stratégies qui pourraient appliquer face à un ensemble de nègres occidentaux qui étaient comme prétention à l'époque, qui étaient considérés comme monde qui étaient plus formés en termes de civilisation et en termes de culture et de morale donc militaire à l'époque. Et ça fait... Si vous prenez le cas en Afrique, en Europe, si vous prenez le cas en France, ils ont assassiné donc femmes, mais en Haïti, c'est différent. Ces femmes, tant que Cécile Fatima, qui prennent prôner la révolution haïtienne 1791, qui prennent aboutir avec 1804. Et vous prenez le cas de Bookman Ndourti, qui prennent censé considérer comme deuxième sujet pour créer l'équilibre entre la féminité et la masculinité. Et c'est ça qu'on va considérer comme deux grands éléments qui pourraient enfanter la révolution haïtienne. Mais pour nous parler de façon brève, au niveau du congrès du Bois Caïman 1791, nous avons deux grands éléments à nous souligner. Premièrement, c'est une attaque par rapport avec l'infrastructure. Ça veut dire la base qui kembe la civilisation française à l'époque. Qui kembe la civilisation occidentale qui parle autre que puissance économique de Saint-Domingue. Et ça fait me penser une rappelle que Saint-Domingue est considéré comme l'épicentre du monde de l'époque. Si vous prenez le cas des 13 colonies de la Britannique, où elle prend tout ce qu'ils ont créé ou bien produit à l'époque, elle n'est pas capable d'égaler avec ce que Saint-Domingue produit. Ça a montré que Saint-Domingue était considéré comme épicentre du point de vue de la géopolitique. Ou bien Saint-Domingue, il y a même importance, même avec Moyen-Orient, je dis, qui est censé considérer comme un poumon économique en termes de pétrole. Principalement, après le cas de l'Iran, Arabie Saoudite, etc. Mais avec attaque infrastructurelle, c'est tout un processus qui pral pousser en cette nuit pour brûler totalement colonies qui patlotent que canne à sucre pour être capable de permettre que yon ka détecter chaque fois ou bien yon caille ou bien ou bien un groupe de colons qui t'est campé dans opposition en quelque sorte. Et deuxième bagaille, c'est attaque avec la superstructure. La superstructure, l'ipalote, considérée comme champ ontologique qui inculqué dans tête esclave là pendant un siècle, deux, trois siècles, qui fait esclave là comprendre que c'est bête, c'est meuble, c'est une chose. Il n'est pas considéré comme humain. Dans le contexte, toute forme de rupture politique qui est à la fois épistémique par rapport avec ça, contexte ça, ou bien vision ça, qui fait nous comprendre qu'à partir de code noir, ou bien à partir de l'ensemble de leurs champs qui existaient, que ce soit d'esclaves par nature, donc nous-mêmes nous considérons comme moun. Et ça fait au Palo Alto, il y a un ensemble d'éléments qui sont très importants durant le congrès des Bois Caïman et qui peuvent considérer aujourd'hui comme élément fondamental au niveau de l'organisation politique et sociale haïtienne, qui parle que nous sommes ensemble, nous faut. Ensemble, nous faut. Tout le monde, c'est monde.
pas de monde passé monde, tout ça yo pral considéré comme élément fondamental qui pral construit le tissu de la civilisation ou de la culture haïtienne. Et ça fait au pral 1804 nous pral construit l'empire donc haïtien au lieu de la république haïtienne. Depuis dans l'article 2 nous étant donc aboli l'esclavage. Alors ce que on prend le cas de l'Occident malgré yo fait révolution qui soit la révolution américaine, yo toujours vivre avec l'esclavage. Mais nous mêmes nous elle pas possible pour qu'il la vive pendant qu'il y a un ensemble de monde qui enchaîné, pendant qu'il y a un ensemble de monde qui en captivité politique. Donc c'est toute une nouvelle vision donc Haïti portée par le monde. Et cette vision c'est Bois Caïman dans la plaine du Nord pour le considérer comme l'épicentre en matière de révolution. Deuxième bagaille qui est très important, c'est parce que tout simplement, ou bien troisième bagaille, pas de moyens pour parler de la révolution de Saint-Domingue qui prend la révolution haïtienne, qui gagne comme le centre ou bien le poumon politique qui est à la fois stratégique, qui c'est Bois Caïman entre parenthèses, sans qu'il ne pas parler, ne va parler de un ensemble d'éléments stratégiques. Il y a un premier élément, il parle de la conscience historique. Pas de moyens pour créer une révolution sans qu'il n'y ait pas de conscience historique. Et la conscience historique, il est considéré comme un homme tout peuple. Et il y a un peuple qui n'a pas de conscience historique, c'est son peuple qui mourit. Dans la mesure que le peuple prend ennemi pour ennemi et ennemi pour ennemi. Et deuxième élément qui est très important à l'époque, qui parle de la création de la langue haïtienne. Et troisième, c'est le système de croyance qui parle chita sur le vaudou haïtien. Ou bien après, qui parle de tout ça, nous avons aujourd'hui, qui parle de l'organisation sociale qui parle chita sur le combit. Ça a montré, nous étions ensemble, des mondes qui chita, qui comprennent que l'humanité n'est pas capable de vivre avec l'esclavage, l'humanité n'est pas capable de vivre avec la domination, l'humanité n'est pas capable de fonctionner pendant qu'il y a un ensemble de monde qui est en situation qui est misérable, en situation qui est torturée en quelque sorte. Et c'est ça que fait Haïti, principalement Bois Caïman, considéré comme le cordon ombilical mondial en matière de lutte, de libération et de rédemption pour toute l'humanité en général. Mais pas ça seulement, Haïti pral censé avec Bois Caïman comme le centre mondial en matière des aides stratégiques, politiques, économiques pour toute l'humanité en général. Et ça fait nous avons plusieurs aides avec un ensemble de monde qui est en situation qui était difficile. Nous aider l'opre l'écart de Miranda aux côtés de Venezuela. Nous aider l'opre l'écart de Bolivar qui était en situation difficile. Nous aider Mina ou Francisco Mina aux côtés de Mexique pour capable prendre l'indépendance de Mexique. Nous aider la Grèce qui était non situation pour prendre la révolution à l'époque, pour faire la révolution à l'époque, nous aider économiquement soubrayer. Ça a montré, nous sommes peuple qui est fort, nous grands, en matière d'aide, d'émancipation, pour capable libérer toute l'humanité en général. Et chaque fois aide, ou chaque fois Haïti, aider un espace qui est dans une situation difficile, il n'est pas toujours fait avec une intention pour nous occuper l'espace-là. Il n'est pas fait une intention pour nous capable accumuler la matière donc culturelle ou bien pour nous accumuler peut-être les matières premières. Nous faisons directement pour nous capable sauver un ensemble de monde qui étaient dans une situation difficile. Pour nous terminer, il y a une question que j'ai envie de poser pour peut-être moi. Pour qui ça au 21e siècle, moi t'ai choisi de parler sous question de Bois Caïman. C'est parce que tout simplement on pensait qu'il est important pour ne pas résumer Bois Caïman avec seulement question de couper tel bout de caille. Parce que Bois Caïman, c'est l'école de résistance pour les opprimés de toute l'humanité en général. Et ça fait au Bralouet un grand ensemble de luttes qui fait. Lutte mondiale depuis Spartacus contre la puissance ou bien contre l'élite et propriétaire d'esclaves aux côtés de la Rome. Il y a un ensemble de luttes aux côtés de la France avec la Jacquerie. Il y a un ensemble de luttes des paysans aux côtés d'Angleterre avec les Tuchins. Des luttes de paysans sous l'égide de roi Pierre qui est censé considérer toujours comme des luttes de résistance contre l'impérialisme de manière générale. Je dis à parler des Bois Caïman, c'est où on a qui mesure capable de lever ou bien réveiller conscience de jeunes haïtiens, haïtiennes, qui chaque grain là-dedans, il y a des salines qui en a. Parce que nous, chaque,
Donc, capacité en termes intellectuels et à la fois économique par rapport avec drame Haïti a traversé. Et ça fait au Valois, aujourd'hui, il y a nous avons ensemble des problèmes. Des gens qui ont mouru, des gens qui n'ont pas de capacité économique, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui n'ont pas à boire. Donc, où est Haïti qui était considéré comme le premier centre en termes de lutte de libération et aujourd'hui, il est considéré comme un espace en termes de condamnation et d'esclavage moderne. Donc, ça très critique. Et ça fait aujourd'hui, je pense que tu es capable de poser cette question. Et ça fait penser aujourd'hui, tu es capable de réfléchir pour voir comment Haïti, qui était considéré comme un refuge en termes de rédemption pour toute la terre en général, tout le monde qui pensait qu'on est en situation difficile, une fois qu'ils sont entrés en Haïti, ils sont libres. Mais je dis, donc Haïti transformé comme un espace de condamnation, en quelque sorte. Je dis, je pense que nous avons deux lectures ou bien deux leçons que nous sommes capables de tirer de Bois Caïman. Le premier, c'est Bois Caïman comme un lieu de mémoire pour ne pas quitter Bois Caïman mourir. Bois Caïman comme un espace nous capables de construire des centres d'études, permettre, ça n'a pris une évolution au niveau de thèses de maîtrise, thèses doctorales. Permettre tout Bois Caïman capable d'un espace en termes de reconstitution d'un ensemble de centres de musée, replanter ou bien implanter des figures qui sont très stratégiques et à la fois importantes. Des figures stratégiques comme Cécile Fatimone, Boukmandouti Dessalines, Marie-Jeanne, Sanité Belair, etc. Et nous sommes capables de voir Bois Caïman comme un espace en termes de réserve économique. Et ça fait aujourd'hui, on va le touriste considéré comme un PIB qui est très stratégique mondial, qui est évalué parfois à 1,7 milliards de dollars mondial. Donc ça veut dire que, ou bien des zones qui sont stratégiques du point de vue touristique, principalement, ou pour les cas de zones en Arabie Saoudite, la Mecque, pendant plusieurs années, ou bien pendant chaque année, plusieurs millions de monde qui ont déplacé pour aller à la Mecque. La Mecque, son zone, côté que, ou prend un nec tant que Mahomet, qui est considéré comme prophète sacré d'islam. Il y a une zone qui est importante, tout, au côté de Vatican. Vatican tout transformé comme un berceau en termes de réservoir de tourisme dans le monde, en quelque sorte. Mais nous sommes capables de faire Haïti, un centre important, principalement, ou prend le cas des Bois Caïman, comme premier centre. Côté que le monde sortit dans une situation d'esclavage, ce n'est pas les abolitionnistes, ni les amis des Noirs aux côtés de la France ou bien aux côtés de l'Europe qui cassent les chaînes d'esclavage, mais c'est Dessalines, c'est les Noirs, les mulâtres aux côtés d'Haïti qui brisaient donc, les chaînes d'esclavage. C'est dans le contexte ça, donc je pense que nous avons besoin pour nous réfléchir sur la question des Bois Caïman. À partir de l'infrastructure, architecture, qui ça nous voulait des Bois Caïman et comment nous sommes capables d'imposer Bois Caïman du point de vue international, qui est capable de concurrencer avec n'importe zone, que ce soit au niveau de la géopolitique des saints ou bien des lieux saints, au niveau de la géopolitique des lieux historiques mondiales, nous capables de concurrencer avec n'importe lieu. Qui nous a en Amérique latine qui n'a pas aimé aller Bois Caïman, côté qui abolit l'esclavage? Qui font noir au niveau des luttes contre le machisme qui n'a pas remis aller donc au Bois Caïman pour la loi, yon dame tankou Cécile Fatima, Sanité Belair qui campait, qui dit non avec le machisme occidental. Donc toute femme noire, toute femme blanche, t'as remis ouais ça. Et ça fait, je dis, y'a m'pensé histoire. L'idoué comme yon instrument pour nous avoisiner, approximer, adapté par rapport avec le contexte géopolitique mondial. Ça fait me penser, donc, en cette nous, nous faisons un paquet de bagailles. Mais je dis, à l'irrité à nous-mêmes, pour nous, on a qui mesure capable d'adapter nous par rapport avec les enjeux géopolitiques mondiales, et pour nous, on a qui mesure capable de transformer un ensemble de zones stratégiques qui pas seulement Bois Caïman, tant qu'on citadelle, ou bien Fonchac, ou bien l'autre zone encore qui est très importante en Haïti. Ça fait Haïti, c'est un espace. Malgré que c'est un territoire qui est très petit, de 27 750 km² seulement, mais pourtant c'est une zone qui est très avancée, qui est très riche en matière de culture historique et à la fois politique. Dans le contexte ça, je pense que la discussion ça a été paraître comme un rappel avec les fils et les filles de la liberté.
haïtiens, haïtiennes. Je pense que le discours ça paraît comme un moyen pour soulever un débat politique avec vous-même, Cap Gadem, qui considérait comme les garants au niveau de la liberté haïtienne, les garants au niveau de la justice haïtienne, les fils et les filles au niveau de la civilisation qui mettent. Je pense que nous perdons 30 ans, de 1990 jusqu'à arriver 2020. De 2020 à 2050, nous avons 30 ans à mener. 30 ans ça, nous apprenons nous gaspiller. Nous calaguer seulement des manifestations. Mais seul, nous-mêmes tout, nous, ou bien tout, nous capables prendre 30 ans ça, nous discuter, nous faire débat, nous réfléchir pour nous quel type de Haïti nous voulons pendant 30 ans qu'à venir encore. Dans le contexte ça, donc m'encourager vous-même pour penser avec vous-même, penser avec Haïti. Nous souhaitons prospérité, progrès et puissance. Longue vie au peuple haïtien. Merci.